Et salut à tous, c'est Tanaka. Très heureux de vous retrouver pour l'épisode 12 de mon Let's Play sur Resident Evil 7. Et dans l'épisode précédent, donc, on était encore une fois dans la peau de Mia, et cette fois, on était armé un peu plus en conséquence. On s'est retrouvé à la merci d'énormément de rampants, d'hommes cuirassés, de boomers. Pas mal de boomers d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu pas mal de bombes télécommandées. Et au final, on a réussi à libérer Ethan, et c'est là qu'on a eu une petite révélation nous expliquant qu'en fait, la famille Wyatt, enfin la famille Baker, a trouvé la petite lors du naufrage du bateau. Et que, en fait, pourquoi la famille Baker est comme ça, c'est que la fille est capable de s'introduire dans l'esprit des gens et elle peut les forcer à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Alors, en général, tuer quelqu'un, etc., etc. Et du coup, lors d'une vision, on a eu le père Bray Wyatt, enfin Jack, qui nous a demandé de libérer sa famille d'une manière ou d'une autre. Et Mia nous a fait partir alors qu'on voyait le sérum n'avait pas marché sur elle. Et du coup, bah, c'est la merde. On est sans armes. Et c'est... Ouais, ça va être assez compliqué à gérer. Il va falloir tuer la petite Evelyn, malheureusement. Et on est tout nu. Et je sais pas comment on va faire. Attends, il n'y a rien ici. C'est abusado. Give me something, please. Oh, merde. Ah non. Tout est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? J'ai fait quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Attends, je vais me faire attaquer, c'est abusé. Ah, je sors du bateau. Enfin. Il était... Il était un petit... c'est génial. Il était un petit navire. Oh putain, mais c'est quoi ces noms sans déconner? Et on est... dans les marais. Putain, mais c'est super dangereux. Mais où est-ce qu'on va avoir ces armes là? C'est comme se retrouver nu dans l'eau avec un petit filet de sang alors que tu sais qu'il y a des requins à côté. C'est... pas cool. C'est genre pas cool du tout. J'espère que personne va m'attaquer. Putain, il y a des poissons morts. Oh non. Et je peux pas grimper en plus, je vais devoir rester dans l'eau. J'ai pas envie. Allez, avance. J'ai pas envie. J'espère que rien ne va me sauter dessus. Hein. Allez, let's go. Y'a personne. Y'a personne. Y'a personne, y'a personne, y'a personne. C'est bon, y'a personne. Ah. Donc, munitions améliorées, ça c'est cool. Y'a marqué quoi? Mine de sel d'Abercrombie, South Dulvey. Ah, une mine de sel, d'accord. Alors, 18 février 1892. Il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Tuan et Beckford sont morts, et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Le Vestan avait raison, le sol est trop instable là-bas. 19 février 1892. La compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants. Je préfère nous faire bosser deux fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Ouais. Travailler plus pour gagner plus, qui disait? Qu'est-ce que c'est que ça? Un hélico? Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? Mais c'est quoi cet hélicoptère? Donc, la radio. Alpha 1, this is Bravo 1, do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Mais c'est qui parle? Ça me plaît pas. Ah, c'est une salle de sauvegarde. Super, on va pouvoir s'arrêter là. Enfin, les objets de Mia ont été ajoutés au coffre. Cool! Ça veut dire que... je vais pouvoir...
reprendre tout ce qui tout ce que tout ce dont j'ai besoin. Ouais, je pense qu'on est bon. Yes. Du coup, j'ai le magnum et ça, ça fait plaisir. J'ai le magnum. Par contre, j'ai un peu trop d'armes en fait. Il va falloir que je trouve un moyen de vider un peu. Attends, déjà. Comment je vais arranger ça? Il est où mon magnum? Tiens, je vais prendre des psychostimulants aussi. J'avais des psychostimulants. Voilà, je vais prendre ça. Bon, eh bien on est reparti. Ah, tiens, c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Paf! Je crois que je t'avais pas vu. Non, mais oh. Donc, fluide chimique. That's awesome. Et du coup, c'est l'heure d'y aller. Oh putain, c'est quoi tout ça? Oh damn! Premier, décédé, le suivant. Crève. Le deuxième, c'est bon. Putain, mais ils sont combien les dudes? Attends, je vais tester le magnum, tiens. Bon bah c'est efficace. C'est efficace. Très efficace. Quatrième. Vas-y, approche. Je suis là. Allez, approche. Ah, merde. Bon, bah, ça va. Ils étaient quatre. C'est cool. C'était plutôt facile. Ah, il y en a un cinquième. Merde.
panique pas. J'ai dit on ne panique pas. Ah merde, ils sont combien les dudes? Alors on peut paniquer. Oh bordel. Non. Loupé. Alors lui, oh, doucement. On se calme. Et lui, il est mort aussi. Putain, ils étaient 6 en fait. Bon. Donc ça, c'est fait. Maintenant, un fluide chimique. Ça fait 2. Putain, mais pourquoi on peut pas rassembler les fluides chimiques en un seul? Putain, il y a le max de munitions en fait. Munitions de fusil. Ah merde, du coup le fusil à pompe il devient important là. Personne va m'attaquer dans l'ascenseur. Non, c'est bon. Let's go. Allons-y, descendons dans la mine. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Quelle porte va s'ouvrir en premier? Celle de gauche, celle de droite? C'est celle de droite. Enfin, celle de gauche. Ok, c'est charmant comme mine. Comme mine, pardon. Et ils osent appeler ça une mine. Une mine! Tiens, bonjour toi. Crève. Au revoir. Tu le sens, le sel? Hein? Ça, c'est le sel de ta défaite, mon gars. Oh, il y a des mines. Putain, mais qui c'est qui en... Ok. On va essayer de ne pas tous les activer, comme ça, si jamais il y a besoin... Si jamais il y a besoin, ça devrait aller. Donc... Il va falloir faire très attention, parce que du coup, Lucas est dans les parages. Combustible. Oh merde! C'est pas que je dois... Ah! Merde, ils sont deux! Aïe! Merde, je l'ai activé! Non! Je l'ai activé. Non, je me casse. Ok. Bien. Je pense qu'on est bon. Ah, good. Oh, je suis bête. Pourquoi je l'ai activé ce piège? Je me suis relevé trop tôt. J'avais eu peur de me faire... tabassé. Et au final, j'aurais pu utiliser ce piège-là. C'est pas grave. Donc. Oh putain, il y en avait plein en fait. Ok. Donc, il y avait ça. Il y avait ça. Putain, il n'y a rien dans ces barils. Non, il n'y a que dalle. Putain, j'aurais pu utiliser ces pièges. J'ai fait le con, là. Oh non. J'avais utilisé ce super système ingénieux dans la grange. Et là, non. Je suis obligé de... Putain, vas-y, ça me saoule. Je suis vraiment pourri, hein. Ouais. C'est quoi ce bruit? Allez, on le dessine. Tu... Ça a beau être une mine de sel, je pense que le sel, il va être aussi pour moi. Je me moquais du rampant de tout à l'heure, mais je pense que le sel, je vais l'avoir aussi. Hein. Oh putain. C'est super. C'est super labyrinthique. Ah, il y a quelque chose. C'est quoi? Mission de 44 Magnum. Yeah. Yeah, boy. Du coup, ça fait... Une balle, d'accord. Si je reprends le magnum, schlac, comme ça on libère une place. Et du coup, il y a trois chemins. Ah non, il n'y a qu'un seul chemin possible. Mais ça veut dire que ici, il n'y a rien. Ah si, des bombes télécommandées. Ça, ça fait plaisir. Mais s'ils donnent des bombes télécommandées, c'est qu'il va y avoir des boomers à un moment ou à un autre. Il va y avoir des boomers, je le sens. Il va y avoir
Ah, il y a quelqu'un derrière. Oh, j'en étais sûr. Je me barre d'ici. Reste tranquille. Ah mince, pas crevé. Reste tranquille. Ah merde. Ah merde. Aïe aïe aïe. Putain, il est où? Il est là. Mais non, mais. Lâche-moi! Arrête de bouffer! Oh purée. Bon bah du coup. Ouais, on va mettre de premiers soins. Parce que là j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je pensais m'en sortir un petit peu mieux que ça. Mais au final, j'ai encore fait n'importe quoi. C'est absolument génial. Ça, ça me permettra d'être un peu plus. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, qu'est-ce que tu fous là toi? Voilà. Ça c'est la puissance des munitions spéciales. B.O. Oh. Putain. Je charge. Et... merde. Body. Paf. Voilà. Oh, je sais pas de viser, c'est abusé. Je ne sais absolument pas viser. Et ça fait chier. Et j'aurais pu les buter comme ça. Oh putain. Pourquoi je les bute? Bon. Y a quelque chose ici ou pas hein? Non, y a rien. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais pu les tuer comme ça. Tant pis. Ça m'apprendra. Je ferai ça en mode survie, je pense. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Vu comment le mode survie va être saucé, je n'aurai pas le choix à ce moment-là. Donc, ouais. Ah, j'ai vu passer un truc, je crois. Ça sauvegarde. Ça sauvegarde. Bon, ça. Je crois qu'il n'y a rien. Mission de fusil. Parfait. Je commençais à en manquer. Recharge. Cric cric. Je pense que j'ai pris le bon fusil d'ailleurs. Oh, j'ai pas pris le bon. Tant pis. Franchement, là, je ne reviens plus nulle part. J'ai pas pris le bon fusil à pompe. J'ai fait le kéké. Le gros epic fail du Tanaka pour changer. Ça, c'est un piège. Est-ce que je peux passer en dessous? Est-ce que je peux passer en dessous? Non, je ne peux pas passer en dessous. Merde. Shit. Je pensais pouvoir, mais en fait non. Bon, ok. Oh, hein? Oh, j'avais oublié cette histoire. Oh non. J'avais oublié cette histoire de caisse explosive. Putain, Lucas. Je t'en foutre une, moi. Ok, je ferme la porte, on ne sait jamais. Computer, de l'herbe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ici que je peux utiliser? Non. Ah ah ah, j'ai vu des stéroïdes. Ça par contre c'est cool. Je vais l'utiliser quand je serai mal en point. Quand je serai vraiment mal en point, j'utiliserai mes stéroïdes. Histoire d'économiser un soin. Donc, envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens.
Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé? C'est un peu à chier. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Envoyé le vendredi 1er septembre 2016 à 1h10. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée, elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse. Oh! Donc la vieille Shimasani, c'est Evelyn! Ah bon! Donc c'était pas la grand-mère Baker, donc c'était Evelyn. Et donc. Attends. Grâce à vous, mais à qui il a envoyé ça? Il a envoyé à l'organisation de Mia là? Ouais, je pense qu'il a dû l'envoyer à l'organisation de Mia. Nous sommes la prince d'une gamine. Ouais, elle veut une famille, mais je pense qu'elle a surtout envie de répandre son truc, son virus, là. Ok. Et donc, ouais, Mia a été contrôlée, mais elle a l'impression de... d'accord, ok. C'est vrai qu'elle change souvent. Elle est un peu lunatique, la Mia. Ok. Donc, oui, donc Shimasani, c'est Evelyn. Alors, ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. La série E, mais c'est quoi la série E? Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désignés ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Ça m'étonne pas. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons pu alors constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. D'accord, c'est plutôt pas mal comme biologique. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Ah, c'est Evelyn, il parle de la série E, c'est Evelyn. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout sens de l'ego. Ok. Ça veut dire qu'il ne marche plus sur les Lego. Non, c'est nul. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. D'accord, donc c'est comme ça que ça marche. T'es un peu infecté, tu deviens fort. Ça atteint le cerveau, tu deviens un peu comme la famille Wyatt. Et quand t'es complètement infecté, bah tu deviens les trucs moisis qu'on attaque depuis le début du jeu, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, 5 minutes après administration. Vomissement. 5 minutes, ouais. Administration de la nécrotoxine E sur un cobaye de série E. Ah! Donc c'était bien ça, c'était la nécrotoxine. Donc on va pouvoir faire un truc pour la buter, si j'ai bien compris. Ouais, un truc pour la buter. Bon bah, let's go. Alors. Qu'est-ce que c'est? Target acquired. Oh. Target acquired. Et je crois qu'on va poser ça là-dedans. Ah, et du coup, je vais pouvoir... Oh là, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Nécrotoxine E. Ah, d'accord. C'est avec ça que je vais la tuer, la vieille. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on voit la vieille dans le fauteuil roulant dans l'intro. C'est parce que c'est elle, le boss de fin, je suis sûr. Nécrotoxine E.
détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E, à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce faire, placez un échantillon de cellules de série E contenant de la nécrotoxine. Ah, donc c'est ce qui était écrit dans la boîte, dans le bateau en fait. Et tout était effacé. Qu'est-ce que c'est que ça? Débuté en 2000 avec le soutien de technique de HCF, ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiative NextBass. Next Generation Experimental Battlefield Superiority. De la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBass a été ensuite mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie le projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi aux combats en tant que tels, il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le et même l'organisation de bon, vous pouvez le dire hein, si c'est Umbrella. Hein. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à de espèce vicariante de fungus remarquablement avancée que l'on appelle communément mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. 38 à 40 semaines, c'est le temps de gestation d'un humain, on dirait. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc, introduction du génome du mutamycète dans un embryon humain. Ok. Les organismes suivants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Des inexploitables ou défectueuses, série A à D, jusqu'à la série E, exemple de défaut, donc Evelyn. Donc c'est ça, ils ont utilisé pas mal de gamins pour faire ce truc-là. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter le du mutamycète à volonté via ses tissus. Mais le c'est quoi? Bon, le composant machin, je pense que c'est ça. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle. Mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez ces bactéries de type pseudomonas. D'accord. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives, qui lui font entendre sa voix. Ah! Donc, Mia est bien infectée, c'est pour ça que, ouais, on aurait pu se douter qu'elle n'était pas... qu'elle n'était pas guérie. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... mystère et boule de gomme. Très bien. Ok. Donc, un document classé secret défense. Ça fait plaisir. Ah, tiens, encore un autre truc confidentiel. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Ouais, donc champignons, quoi. Enfin, c'est l'espèce de fibre qu'on voit au niveau des champignons, l'espèce de mousse un peu chelou. Ça dépend des champignons, en fait. Le terme organisme est ici utilisé dans son acception étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important, en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes micromorphes, du grec myco, fongique, et morpho, forme. Lors de notre recherche pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une sur des prélèvements de tissus d'Evelyn permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal.
Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination du sujet infecté plutôt que sa guérison. En exploitant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de buter sa mère à Evelyn, et ce, même à petite dose. Il y a en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. Ah, donc c'était pas juste une couverture. Je suis sûr qu'ils étaient déjà infectés en fait, les mecs. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il sera plus facile de se prendre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. D'accord. Ouais, ben on en apprend des choses ici. Donc, si j'ai bien compris, la Miss Evelyn... Ben... Ça va être compliqué, mais du coup on comprend mieux pourquoi on a ces hallucinations. Et pourquoi ils tiennent absolument à la protéger. Si ça se trouve, ils étaient vraiment pas consentants au début du match. Ah, bah c'est une salle de sauvegarde. Perfect. Et ça c'est quoi? Grenade incendiaire. Ça veut dire que je vais devoir reprendre le truc. Allez, continuons. C'est par là? Ouais, c'est par là. C'est bien par ici. Continuons. Bon, ce n'est pas par là. Attends, je vais plutôt faire un changement. On va faire comme ça, ouais. Comme ça, si jamais il y a besoin. Par contre, niveau munitions, je suis vraiment léger. Il n'y a rien ici. Il n'y a vraiment rien. Ok. Continuons. Ah, tiens. Bombe télécommandée. Fluide chimique. Oh putain, il donne encore des bombes télécommandées. C'est pas bon, ça. J'aime pas ça du tout. D'ailleurs, attendez, il faut que je retourne là-bas parce que j'ai du combustible et ça ne me sert à rien. C'est par là. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi il y a de l'eau partout? Je vais me faire attaquer, c'est obligé. Oh putain, j'aime pas ça. Bon, on va repasser aux munitions normales. Parce qu'à tous les coups, je vais paniquer. Alors, faut que j'aille par là-bas. Il y a force. Qui c'est qui chante? Tais-toi, Evelyn. Tais-toi, Evelyn, tu me fais peur, sérieux. Arrête de chanter. Franchement, je préférais que tu chantes La Maison des Poupées, quoi. Ceux qui me connaissent savent que je déteste cette chanson. Mais franchement, ce serait plus rassurant que tu chantes ça, quoi. Oh, putain. En plus, il faut que je rampe ici, là. Wow! Oh non, j'ai des hallucinations. Quoi? Die? Comment ça, die? Oh non! Faut que je me casse d'ici. Allez! Oh non! Oh non, 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 non! Je me tire. Putain, merde! C'est pas par là que je dois passer! Non! C'est pas par là! Poussez-vous! Ah! Merde! Attends, on me télécommande. Là, j'ai pas le choix. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, pourquoi je me suis soigné? On me télécommande. Ils sont morts tous les trois, yes.
Ouf. Bon, par contre, j'ai un peu paniqué au niveau des boutons et je me suis soigné. Alors que je n'avais pas besoin. Ouais, c'est par là-bas que je dois aller. Bon, par contre, Evelyn, c'était pas cool, ça. C'était vraiment pas cool. Le die, là... Non. Oh, c'est quoi ce rire purée? Oh, purée, non. Crevé. Bon, cela, c'est bon. Ok, restons calmes, surtout. Dominons-nous, mes frères. Qui est là? Mission mitrailleuse. Mais t'es sérieux? Alors que j'ai lâché la mitrailleuse, il faut qu'il me donne des munitions mitrailleuses. Putain, sérieusement. Seriously? Ah non. Ah putain, j'en étais sûr. Je savais que quelqu'un allait arriver. En sens inverse. Défense. J'ai dit défense. Je pose ma bombe. Et je te fais sauter. Putain, il est encore en vie. Hop. Paf. Voilà, reste tranquille. Ah oui, non, je ne peux pas recharger. Par contre, toi, je vais te recharger. Putain, mais s'ils ont donné plein de bombes télécommandées, c'est forcément qu'il va se passer un truc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah tiens, quand on parle du loup. Une bombe télécommandée, putain, ça va être horrible. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comment ça se fait que je ne trouve pas Lucas? Donc, cartouche de fusil. À tous les coups, il va m'attaquer ou quelque chose. C'est pas possible autrement. Shut the fuck up, Evelyn. Oh, recule. Bon, ok. Voilà. Just defense. Ah non, 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 non. Ah purée. Le rampant. Et fous-moi la paix, le rampant. Ah purée. Ils étaient trois. Ah. Damn. J'ai paniqué. Hélas. Micromorph quoi du pad, même s'il n'est pas très résistant, blablabla. Ouais, neurotoxique. Grenade neurotoxique peuvent temporairement paralyser les ennemis. Appuyez sur L2 pour passer aux grenades incendiaires. Ah, mais j'en ai jamais fait des munitions neurotoxiques. Ok. Donc... Approchez. Oh, j'avais pas vu le troisième. Je l'avais oublié celui-là. Aïe. Mais non, mais t'étais loin, t'aurais pas pu me toucher. Voilà. Je ne pouvais pas me toucher. Et en plus, j'avais oublié que j'avais des stéroïdes. Augmente la santé max parce qu'on va en avoir besoin. Hop. Votre vie maximum a augmenté. Merci, monsieur. Normalement, je devrais être bien. On va reprendre les bombes télécommandées quand même, parce que c'est vachement utile. Tais-toi. Activé bien trop tôt. Non, il n'y a personne. Ok, munitions de fusil,
C'était ça? T'as vu, cartouche de fusil, c'est bon ça. Ça c'est bon, voilà. Faut me donner ça au lieu de me donner des munitions mitrailleuses là. Du coup, attends, il y a un monstre qui va apparaître ici. Amène-toi. Je suis là. Voilà. Bang! Ah mince! J'avais oublié. Je pensais qu'il allait mourir vite. Quoi? Mais t'es sérieux là? Non mais oh. Crève petit. Hop. Headshot. T'es mort là? Putain. Crève. Crève. J'ai dit crève. Voilà. Là c'est bon. Oh. On va utiliser munitions améliorées, ça fera un peu plus de place dans l'inventaire. Mais non. D'abord, il y a la télécommande. Voilà, une nouvelle bombe télécommandée. Parce que ici, je vais planter. Ah, il est pas mort. Bon, lui il est mort. Et lui il est gravement blessé. Vas-y après. Tiens, non, je veux pas de free hugs. Il est mort. Ah, c'est bon. Il est crevé. Oh putain. Sans deck. Allez, donnez-moi des munitions qui importent. Munitions mitraille. Qu'est-ce que j'en affiche de ça? Quand même, mais voilà. J'ai 7 munitions de Magnum quand même. Je pense qu'en attendant, on va aller mettre le Magnum à la place. Voilà. Parce que bon, le grenade, je pense que ce sera plus pour. Ce sera plus pour Evelyn, ça. Evelyn Delia. Au suivant. Attends, on peut télécommander. Non, on peut télécommander. Non, pas de bon télécommande. Ok, je retiens. Qu'est-ce que c'est que ça? On va. Ok, bon, c'est juste. Très bien. D'accord. Explosif. Il y a plein d'armes partout. Ça, ça veut dire que. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh non! Vous êtes pas sérieux, je vais devoir me battre. Deux! Oh le bâtard! Non, il y en a deux! Oh putain, il y en a deux! Ah, c'est pas vrai. Ah, tiens! Aïe! Non, non. Bam. Tiens. Hop. C'est bon là. Je pense qu'il est pas purée, il est pas encore mort. Loupé. Ah, j'ai oublié de bombe télécommandée par contre. Bon bah, Magnum. Voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pouh. Bah c'était pas si compliqué que ça en fait. Voilà. Par contre je n'ai plus de bombe télécommandée. Cartouche de mitrailleuse, ouais. J'avais pas besoin de ça. Et l'autre que j'avais éclaté. Munition de mitrailleuse. Mais j'ai pas besoin de la mitrailleuse.
Remettre de premier soin fort, ok. Donc j'avais quand même de quoi me soigner et je me suis débrouillé comme un as. Un peu trop de munitions gâchées, certes, mais je me suis bien débrouillé. T'as encore un remède de premier soin. C'est bon ça? Oh là. Ah, donc je pouvais court-circuiter en passant par là. D'accord. Donc ça me donne quand même pas mal de petites munes. Et il est temps de remonter. Allez. Ah bah ça y est, on est sorti de la mine. Enfin, on est quasiment sorti. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien du tout. Continuons. J'espère que personne ne viendra m'attaquer. Eh, mais du coup, franchement, je le sens mal. Si si je me suis fait, si j'ai des hallucinations comme ça, c'est que je suis infecté. Enfin, en même temps, vu comment on m'a recousu le bras là, enfin la main, je pense que je dois être infecté. Franchement, c'est obligé. Je dois. Mission mitrailleuse. Remettre deux premiers soins. Putain, ils en donnent plein. Plan de la mine. Ok. Mais du coup, plan de la mine, mais j'ai tout visité. Ah, il manque des documents. J'avais oublié qu'on pouvait lire les documents ici. Mais du coup, il m'en manque. Bon. Ça, on verra un autre jour. Lors d'une prochaine partie. On écrase. Very good. Et là, nous sommes où? Oh, alors ça... On est revenu dans la maison, je crois. Ouais, on est dans la maison. Et là, on voit que Evelyne a quitté son fauteuil. Lève-toi et rap, comme disait MC Solar. Donc, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager, parlez-en autour de vous, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Épouvante. Au revoir les gens.